C'est ta jumelle, c'est pour ça. Vas-y rapidement. Oui, le temps, enlève comme ça au moins, parce qu'après, la postérité ne saura pas que c'est toi. Il faudra traiter la photo. Deux secondes, il y a voilà. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau rapidement. Sans les masques. Donc, le contingent de Ouaga. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Et il y a Paul. Notre manière. Vive la Léa. D'accord. Et nous, Non,
pas tenir la vie, tu peux être dans la vie, dans la vie. Avant le lien, c'est OK. Si, là, ouais,
Bon. Seigneur, accorde-lui le repos éternel, que brille à ses yeux, la lumière sans défaut. Qui est beaucoup dans la paix? Après toi, on en a besoin d'un bon. Peut-être que le petit patron même. Notre frère, notre ami, notre père, Pierre Marie s'est endormie dans le Seigneur, mais nous y mourrons façon. Dans la foi et l'espérance, nous allons l'amener dans la maison de son père, c'est-à-dire l'église tout à l'heure, pour la messe d'enterrement, et après, nous irons au cimetière. Qui est donc cet homme que nous avons tous depuis le 18 novembre? Pour ses amis, sa famille, et surtout pour ses enfants. Nous allons écouter tout à l'heure une oraison, donc à dire un petit témoin.
parents des enfants. Bonjour à tous. Je prends la parole ce matin au nom de mon frère Romain. Je suis la fille aînée de papa, Lisa, Rajiv, Pedro et Mariano qui n'a pas pu être là. Nous vous remercions de votre soutien, ce mouvement, de le rendre sensible. Je devais préparer. Bonjour. Écrire quoi que ce soit. Alors je parle en fonction de ce que je ressens. Un point qui m'a marqué quand mon père est parti, c'est celui d'un vieil ami avec qui on a grandi ensemble. Quand il a reçu la vie de décès, tout de suite il m'a appelé, il m'a dit Léna, on est pas prêt à partir. Je dis oui, c'est la volonté de Dieu. Il me dit, c'était un homme très bon, il avait bon cœur, il était respectueux. Il dit, franchement, tu ne veux pas savoir comment je le perds triste. Il me dit, tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais il y a 20 ans, ton père m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié et qui m'a servi toute ma vie. Il m'a dit, Brice, dans la vie, il faut prendre des risques, il faut oser, il faut se battre. Et quand ça ne va pas, il faut se relever, il faut continuer. Et il dit tout de suite, ça ne m'a pas marqué, on était jeunes, mais c'est resté en moi. Et au moment où j'en avais le plus besoin, c'est remonté en moi. Et ça m'a servi dans la vie, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, j'utilise le conseil de ton père pour le donner à d'autres personnes. Et je ne savais même pas que ça s'était arrivé parce qu'il ne m'en avait jamais parlé. Alors j'avoue que c'était une joie pour moi d'entendre ce témoignage inattendu. Et je pense que c'est ce qu'on doit garder de lui, les meilleurs moments. Les bons côtés, son courage, son dynamisme, sa joie de vivre. On va dire qu'il est parti comme il a vécu, à fond. Ben oui, il est parti sans crier gare. Mais c'est la volonté de Dieu, alors on doit l'accepter. Et surtout, on ne doit pas être affligé, nous sommes des croyants. On va prier pour lui, pour l'accompagner à sa dernière demeure. C'est pas facile, mais nous devons le faire, nous devons nous y tenir pour qu'il parte en paix. Encore merci pour tout. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Le Très-Haut nous a fait une promesse, c'est d'avoir la vie éternelle quand nous serons plus sur terre. Nous sommes de passage ici. Alors j'ai la ferme conviction que ce Dieu que nous prions l'a accueilli auprès de lui. Et qu'au moment de la résurrection, au moment de l'enlèvement, nous allons tous nous retrouver ensemble. Soyez bénis, vous et vos familles. Amen. Merci. J'appuie avec ce verset biblique. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand tu seras mort. Un autre qui dit ceci, voici mon Dieu sauveur. J'ai confiance et je ne tremble plus. Dans ma force et ma chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Vous avez de lui béni. Tout à l'heure, nous allons faire la prière que vous avez vu du peu. Nous irons à l'église de Saint-Martin de Mugladal, là où nous étions hier soir. Ce sera pour la messe également. Après la messe, les signes de salutation des anges se feront sur le parvis de l'église comme hier soir. Comme la pandémie nous oblige, l'enterrement se fera
dans la stricte intimité familiale. Et après cela, rien n'est plus vu. On n'a plus rien. Mais ce que moi, je nous demande, c'est de continuer à prier pour le repos de l'âme de notre papa, notre frère, Claude Pierre-Marie. Il a cru en Dieu. Il a confessé que son âme repose désormais près de ce Dieu. Nous nous levons. La prière. Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Père Saint, Dieu de l'air et tout-puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, surtout ce que tu as fait dans la vie de notre frère Claude Pierre-Marie. Il a quitté ce monde qui passe. Maintenant, reçois le roi de toi, l'âme n'a plus guéri. Lui, l'âme, ni douleur, mais la paix et la joie avec ton Fils et l'Esprit Saint, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons et nous partons pour l'Église. Accueillez. Et il y a dit les tout à tous ceux qui m'ont amené à vous répéter. Si on a que c'est bien pour vous, bientôt, bien aujourd'hui, Claude Pierre-Marie, des fois, il faut que nous sommes aidés. Donc, aucun ne s'en aura, mais pas fait. Je vous remercie. Merci de vous prendre le cœur à tous. Une prière, la visite, le conseil. Demande de messe, je suis officier, la famille, par mon modeste foi, remercier sincèrement.